Bonjour à tous. Alors, petite vidéo un peu spéciale où en fait on va s'ouvrir un coffret Pokémon Go. Votre coco d'Alola. Voilà, du fait qu'en ce moment j'ai ramené. Comment dire? Dans chaque coffret j'ai une full art. Donc je me suis dit pourquoi pas en acheter un troisième. Donc je me suis dit bah on va en acheter un troisième. Et donc on va l'ouvrir. Ah moi je veux bien une full art à chaque coffret. Pas de problème. Le secours. Donc, bon, je vais pas vous représenter à chaque fois le. Les mêmes cartes, on va dire. Alors, hop. Je prends soin quand même des cartes. Un minimum. Voilà. La petite jumbo, on va la placer dans un coin. Hop. Et ensuite les petits boosters. Et ouais, il y en a 4. Il y en a 4. Et voilà. Magnifique. Superbe. Bon. On va les mélanger, moi je déconne. Allez, c'est parti. Superbe illustration. Bon, je vais arrêter de dire des bêtises. Je pense que maintenant, on les a vus, les boosters. Toujours aussi simple à ouvrir. Pas trop mal, ah, un peu sur la fin, malheureusement. Une carte Vester, super, superbe, superbe. Donc carte Vester. Hop, donc incubateur d'œufs. Ça aussi, je me rappelle plus si je l'avais ou pas. Ben, rien. Le Vénard, celle-là, je l'ai. Solarock. Ramoulos. Je crois que c'est que des cartes. Ah. Castorono. Celui-là, je crois que je l'ai aussi. Dommage. Mimigal. Ouachijon. Bah pour l'instant, je crois que je les ai toutes. Hein. Super. Steelix, pareil. Par contre, je sais plus si je l'ai eu en reverse. Et. Ah, une carte holo. Magnifique. Je blague, bien sûr. Vous êtes obligé d'avoir une holo dans cette série. Une petite holographique. Attendez, je vais faire un truc aussi. Celle-là. On va respecter un peu les cartes. Que je vais réussir à la voir nickel, sûr. Eh ben, j'ai réussi. Je crois que c'est le premier. Une, deux, énergie. Énergie.
Capitaine d'équipe. Candela. Combien de fois je l'ai eu? Pareil, ça va. Je l'ai même eu dans un deck que j'avais acheté une fois. Flagados. Celui-là, par contre, j'ai un doute. Oh purée. Ah, par contre, ce dessin. J'adore cette carte en fait. Il est trop trop fabuleux le dessin. Onyx. Là, je crois que j'ai eu aussi. Pour l'instant, je crois que j'ai que des doubles. Hein. Evoli, pareil. Ah, ah, il y a un truc. J'ai vu de la brillance. Ça c'est déjà pas mal. Il y aura au moins une carte pas trop mal. Chamallow. Et on a quoi? Une reverse. Décidément, des cartes radieuses, je crois que j'en aurai jamais. Pikachu, et celle-là, je ne l'ai pas par contre. Et en plus, c'est une reverse rare. Et attention, il y a un banger. C'est laquelle? Celle-là. Une moisie. Ah non. Mewtwo V. C'est une quoi ça? 30 sur 78. Attendez, que je vérifie une chose. Savoir si elle vaut de l'argent. Bon, c'est une Mewtwo, donc elle vaut déjà plus que les autres. Par contre, c'est pas une full art, malheureusement. Bon. C'est une belle carte. Une belle carte, mais bon. Après. C'est pas la carte de dingue, quoi. Mais c'est déjà beau. Hein. Bon, ça me fait penser à Dragon Ball Z, cette carte-là. Je sais pas pourquoi. Alors. Ça, faudra que j'en fasse une ouverture de trucs de Dragon Ball. Attends que j'y repense. Ah, par contre, celle-ci, elle déchire aussi. Vache. Super belle. J'aime bien en plus, c'est une reverse rare. Là, c'est bien. Donc, bon, on a une petite carte V. Vu que c'est mieux tout, c'est forcément mieux que les autres. Mais c'est moins bien qu'un drapeau feu. Ça, on sait tous. Et bon, après, on peut pas tout avoir. Voilà. Ah, je vois quelque chose. Par contre, la brillance me paraît bizarre. Je sais pas ce que c'est. Énergie. On aura deux cartes pas trop mal, apparemment. Oh purée, mais c'est dingue ce truc. Stylix. J'ai l'impression que j'en vois à chaque fois les mêmes. Il faut dire qu'il n'y a pas énormément de cartes quand même dans cette série. Carapuce, ça commence à. Ouais, il y a clairement un truc. Par contre, je me demande un truc, c'est les ectoplasmas. Est-ce qu'il y en a plusieurs en fait? Je me pose la question. En fait, j'ai pas été sur le site pour voir les cartes, mais parce que je veux pas me spoiler en fait. Ambrilex, je l'ai. Ouais, ben, je crois que à part les cartes V et tout ça. Chaque fois, ah, attendez. Ah, oui, j'ai la reverse. Reverse commune, super. Donc là, on a une rare. On a un truc. Oula, la brillance, attention, c'est de la brillance. 31 sur 78, c'est quoi ça? Wow, la vache! Alors, attendez. Ah, oui, mais là, c'est pas le même niveau du tout, là. Waouh. Alors, ça, je peux vous dire que ça, c'est une carte rare. Vesta, attendez. Ouais, c'est ça. Elle est full art. Attendez, parce que là, en fait, avec la caméra, je sais pas si on peut voir. Alors, en fait, ça fait des empreintes. J'avoue que c'est pas évident à montrer. Vous voyez, ici, là, à ce moment précis sur la droite, on voit très nettement les empreintes. Oh, celle-là, par contre, waouh, celle-là, elle est terrible. Terrible carte. Yo, sacrée carte. Et une Vistar. Énorme banger. Énorme, énorme.
Énorme carte. Énormissime. Purée. Niveau Mew, je suis bien servi. Hein. Par contre, Dracaufeu. Dracaufeu, rien du tout, quoi. Je sais même pas si j'ai eu un Dracaufeu, même un truc basique, même pas une reverse, ni rien, quoi. Le pire, c'est qu'il y a des reverse, des holos Dracaufeu. Et j'en ai pas eu un seul. C'est bizarre. Ah, c'est pas comme si on l'a eu au moins 3 ou 4 fois celle-là. Alors. Allez, donnez-moi. Oh, purée, il y a un truc qui brille. Allez. Je crois avoir vu un truc qui brille. J'espère que c'est un truc qui brille. J'aimerais bien avoir deux trucs qui brillent parce qu'il me semble qu'on peut avoir deux trucs qui brillent. Ah, attendez. Donc, énergie. Steelix. Comment ça m'énerve? C'est le même booster, c'est pas possible. Ah, super bonbon. Ça, c'est pas mal pour faire évoluer les Pokémon. Parce que ça se transforme dans n'importe quel bonbon pour les faire évoluer, hein, pour ceux qui jouent à Pokémon Go. Enfin, je dis ça pour les connaisseurs. Oh, purée, encore lui. Oh là là là, mais c'est un truc de fou ça, c'est toujours les mêmes cartes en fait. Ah, attendez. Non. Ah, Bulbizarre. Par contre, j'aime bien ce Pokémon-là. Il est un peu mythique en fait, hein, tout simplement. Carapuce. Allez, filez-moi une radieuse alors. Oh purée, j'aurai jamais de radieuse en fait. Voilà, je crois qu'il y a. Oh non. Ah, Ronflex. Evoli et Ronflex. Eh ben écoutez, sacrée ouverture quand même là. Bon, le meilleur forcément, c'est le premier coffret que j'avais ouvert. Où j'ai eu la carte la plus rare bah, de la série, tout simplement. J'adore Ronflex. Alors. Ah, je crois qu'il y a des reverse que j'ai pas dû mettre. Non, c'est une impression. J'ai l'impression qu'elle était plus large. Okay. Je crois qu'il y a des reverse que j'ai pas dû. Attendez. Il me semble que j'ai dû faire l'impasse sur un ou deux trucs là. Non, c'est bon. J'en avais oublié une. Bon, après, c'est pas des reverse rares, mais bon. Il y en a une, je crois qu'elle est rare. Ah, attendez. Oh, purée. Ah, mais ça m'embête en fait, là. Parce que le problème, c'est que celle-ci est plus épaisse et je crois bien que c'est. Ça fait rare, le métamorphe. Ah, attendez. Purée. Ah, attendez. Est-ce qu'il y a plusieurs métamorphes? Ça, je me pose la question. Ou est-ce que c'est toujours le même? Attendez. Donc en fait, ça peut être n'importe quelle carte. Bon, forcément, celle-ci est plus rare que les autres. Hein. Je pense qu'un métamorphe comme ça doit être équivalent à une carte rare de type au minimum V, je pense. Je suppose, hein, après, j'en sais rien. Par contre, je vais faire ma technique, c'est parce que, en fait, c'est con à dire, mais c'est au bout de. En fait, j'y ai réfléchi et je pense qu'en fait, ces autocollants sont habites même plus rares en fait que la carte en elle-même. Que j'ai fait un calcul et en fait, avoir cet autocollant-là, c'est plus rare qu'avoir le métamorphe. Enfin, après, si vous faites le calcul. Ah, c'est pas dur à le savoir. Alors je le colle dessus. Être simple. Désolé, ça va prendre un peu plus de temps que prévu.
Je vais mettre mon locops. Non, je vais pas y arriver. On va le faire dans ce sens-là parce que là, je vais pas y arriver sinon. Un truc de fou. Non, j'ai vraiment la pousse. Ah, attendez. Toute façon, je vais la sliver, donc ça collera pas. Voilà. Oui, cet autocollant-là, en fin de compte, j'ai fait un petit calcul et apparemment c'est ultra rare en fait. Parce que ça peut être n'importe laquelle. Donc en fait, ces autocollants-là, après je sais pas s'il y en a qui vont les collectionner, hein, mais c'est extrêmement rare en fait. Bah, en fait, chaque autocollant, vous avez une possibilité d'avoir donc cette fameuse carte. Donc là, la métamorphe. En fin de compte, ça c'est moins rare que l'autocollant en lui-même. Hein. Enfin, si, c'est pas dur à faire le calcul. Hein. Il y aura beaucoup plus de ça. Que ça en fait vous avez très peu de chances de l'avoir en autocollant en fait. Après c'est pas dur à faire le calcul. C'est bizarre, je croyais que c'était encore IP. Mais bon. Voilà. Alors donc là les reverse on va les mettre de côté hein, parce que voilà, ça nous intéresse pas trop. Faudra quand même que je revérifie s'il n'y a pas d'autres. Attendez, ça c'est encore une reverse. Je suis en train de me tromper. Voilà. Normalement, allez, attendez. Il y a ça. Ah, ça et ça. Oui, c'est vrai qu'on en a une de plus. Donc, par ordre. Par ordre, va dire, de rareté, on va dire que. Des métamorphes comme ça, je crois que j'en ai une des deux, il me semble. Je dirais que c'est moins rare que ça. Et Ronflex, je dirais que c'est à peu près à égalité. Alors, la plus rare, forcément, c'est celle-ci. La Full Art, la Mewtwo. Automatiquement, c'est celle-là. Hein. Ensuite, on a la Mewtwo V. Après, je dirais que c'est le Léviator. Parce que moi, j'adore le Léviator. Après, je dirais à égalité ces deux cartes-là. En fait, les métamorphes, bah, je crois que c'est exactement la même que j'ai eu tout à l'heure. Pas tout à l'heure. La première fois que j'avais ouvert un coffret, il me semble que c'est exactement le même. Il faudra que je vérifie, mais bon. Au pire, je referai une petite transition si je me suis trompé. Et sinon, il y a celle-là. Ronflex. Qui est une Ulurare. Et puis bah dans tous les coffrets vous avez ça. Ça. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Puis bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Puis bah, profitez bien des vacances. Salut!